Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar, alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Tu dois mourir de faim. Tu devrais prendre un bain et après on sortira pour trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, je vais te faire couler un bain. T'es plus jolie comme ça. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Ton bain est prêt. La victime s'appelait Todd Williams, un chômeur domicilié à Corktown. À en croire les premiers rapports, il a été abattu par son androïde, un AX-400. L'androïde a pris la fuite et la police est actuellement à sa recherche. Joss Douglas en duplex de Corktown pour Channel 16 News. T'as pas eu le choix. Il m'aurait tué si tu l'en avais pas empêché. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. C'est nous contre le monde, Alice. Rien que nous deux. On doit apprendre à se faire confiance. Je n'ai que toi. Et toi, tu n'as que moi. Et je vais tout faire pour te rendre à nouveau heureuse. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger et ensuite on partira. Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose? Un androïde? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci? Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner... Elle est encore là? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci.
attend dans la caisse. Vous aurez besoin de moi, lieutenant. J'en sais plus que vous sur les androïdes. Écoute, tes leçons de morale, j'en ai ma claque. T'es une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est accomplir ma mission. Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux qu'elle se termine, ta mission? Alors arrête de me casser les burnes. Elle est partie. Ciel, merde! Arrêtez, police! Par où est-elle partie? Par là. Elle se dirige vers la gare. Il nous la faut vivante. Je ne peux pas les laisser s'enfuir. Ils n'arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Hé, arrête! Tu vas te faire buter! Les prends pas en chasse, Connor. C'est un ordre.
Ça va aller ? Plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté CyberLife pour en savoir plus, mais... Pardon, excusez-moi. J'ai besoin de pas grand-chose. Thank you.
Bienvenue à Jéricho. Tuyau de Guedin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ouais, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Oh. Hey, tu vas pas le regretter. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je crois que notre relation est partie du mauvais pied. Nous devrions oublier ce qui s'est passé et reprendre à zéro. Qu'en pensez-vous? Écoute, on a décidé de me coller un partenaire en plastoc. J'ai pas le choix, je dois faire avec. Mais si tu crois qu'on va devenir potes, t'es aussi crétin que t'en as l'air. Ah, je crève la dalle. Merci, Gary. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois? Je vous souhaite bon appétit. Merci. Je ne veux en aucun cas vous alarmer, lieutenant. Mais il me semble que vos amis s'adonnent à des activités illégales. Tout le monde a sa petite combine pour joindre les deux bouts. Mais ils font de mal à personne. Je les laisse tranquilles. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route? Parce que t'aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes CyberLife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fait toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. T'as déjà eu affaire à des déviants? Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu
Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je me concentre sur l'enquête, lieutenant. Le reste ne me concerne pas. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, en cas de besoin. Hey, Connor! T'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi. Je remplissais un rapport pour CyberLife. Ah. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Hein? Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez ! Reste derrière moi. D'accord. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, oh, c'est pas vrai, ça pue ici! Oh, on s'est déplacé pour rien. Notre homme a filé. Qu'est-ce que ça veut dire? RA9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthes. Rattrape-le!
C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Hé, hey, Connor. Non, rien.